Donc, on va continuer ce matin à regarder et à considérer le sujet des 70 semaines de Daniel. OK. J'aimerais bien. Donc, les 70 semaines de Daniel, cette grande révélation qui a été faite par Gabriel au prophète Daniel concernant le plan de salut de Dieu pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Puis nécessairement, Daniel, dans sa situation, il avait bien ça à cœur. Quand on vit une tragédie nationale, quand il arrive une catastrophe, une situation pénible, mais les chrétiens dans cette société-là vont élever leur voix au Seigneur, puis vont présenter des supplications. Et c'est ce que Daniel faisait pour le peuple juif. Ce peuple-là qui avait été choisi par Dieu, ce peuple-là qui avait reçu des alliances inconditionnelles, qui faisait partie du plan de Dieu. Puis il leur a dit, écoutez, il a dit à Daniel, j'ai établi 490 ans ou 70 semaines pour amener le salut de ce peuple, pour leur permettre de se tourner vers la grâce de Dieu. Il dit, le chronomètre va débuter avec un décret royal, un décret qui va donner la permission aux Juifs de reconstruire la ville de Jérusalem. Puis en 444, on voit ce décret-là du roi Artaxerxès qui dit « Allez-y, retournez, puis reconstruisez la ville de Jérusalem. » Et là, les 490 ans débutent jusqu'au moment où la Bible nous dit que tout Israël, finalement, va être sauvé. Des fois, il y a des chrétiens qui pensent que l'Église a remplacé le peuple juif. Puis avec la venue de la Nouvelle Alliance, c'est l'Église qui reçoit les promesses d'Abraham, mais à l'exclusion du peuple juif, et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans la prophétie biblique. Dieu a toujours un plan pour le peuple juif. Il a toujours un désir de les amener à la vérité du salut. On a vu qu'il y avait trois étapes ou trois phases pour amener ce plan rédempteur-là. 70 semaines, 490 ans, divisé en trois phases. La première phase, c'est une phase de 7 semaines, donc 49 ans, pour permettre au peuple juif de retourner en terre promise et rétablir leur structure, pour pouvoir être là pour un jour accueillir leur Messie, pour pouvoir être rétabli en tant que peuple. Et Dieu a dit ça, ça va être la première étape, ces 7 semaines-là. Ensuite, il a dit, il va y avoir 62 semaines ou 434 ans, et là, le Messie va pouvoir venir dans votre société. Là, le Messie va pouvoir se présenter à Israël, et on nous dit qu'il va être retranché. Donc ça, c'est un aspect de la prophétie qui était particulier. Puis dernièrement, il y a une dernière semaine qui va être une période d'épreuve pour Israël, pour amener le peuple à faire le bon choix de cœur envers leur Messie. Donc, on a vu la dernière fois le rétablissement du peuple. Verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. » Donc, on parle des Juifs ici dans cette prophétie. « Sur ta ville sainte, on parle de la ville de Jérusalem. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines, la première partie est 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Il dit, ça commence par le rétablissement du peuple. Le peuple doit revenir en terre promise et rétablir leur structure pour pouvoir recevoir le Messie. Un auteur nous dit, d'après le verset 25, « Dans les premières 7 semaines, les rues et les tranchées devaient être bâties pendant des temps difficiles. Cette période de 49 ans décrit les étapes de la reconstruction de la muraille de Jérusalem par Néhémie et du besoin qu'1 sur 10 des habitants, on voit ça dans le livre de Néhémie, parmi les Juifs, bâtissent une maison dans Jérusalem pour vraiment faire de Jérusalem pas juste une coquille vide. C'est beau, on a une muraille puis il n'y a rien à l'intérieur. Non, ça prenait des maisons. Il y avait déjà le temple qui avait été reconstruit. Donc, 1 sur 10, 1/10 devait venir pour habiter à Jérusalem. Ce qui se produisit dans les 50 années qui suivirent la construction de la muraille. Ce fut exactement l'accomplissement des 7 fois 7 années. Donc ça, c'était la première étape, la première phase. Deuxièmement, on a vu la venue du Messie. Une fois que la structure est établie, Dieu a dit 434 ans plus tard. Je veux juste vous rappeler, ce sont des années lunaires.
ce ne sont pas des années avec le cycle du soleil. 434 ans plus tard, le Messie devait venir et ensuite être retranché. On nous dit « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines pour la reconstruction de la ville et 62 semaines, donc 69 semaines en tout, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines. » Après ces 69 semaines-là en tout, 483 ans, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Si on commence avec le chronomètre en 434, le décret est donné, ça commence. Puis on monte 483 ans lunaires plus tard, on arrive à l'époque d'environ l'an 30 en Jésus-Christ. 30-31 dans ce coin-là. Donc, pendant le ministère de Jésus, le temps prophétique arrive où le Messie doit être présenté à Israël. Et là, Israël, qui est revenu en terre promise, est confronté par son message, par l'évangile du royaume, et ils doivent faire un choix. Ils doivent décider ce qu'ils font du Messie. Et plusieurs commentateurs pensent que lorsque Jésus est rentré dans son entrée triomphale à Jérusalem, lorsqu'il a été présenté comme le fils de David, lorsque les gens ont dit « Hosanna au fils de David », puis qu'il est venu au milieu d'Israël, là, c'était la fin des 483 ans, et après cela, il devait être retranché. Donc, si on regarde dans Matthieu chapitre 21, on nous dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie, dans le 9e chapitre, au verset 9, dit un jour, « Votre Messie va paraître au milieu de vous, assis sur un ânon, venant pour donner la paix au peuple d'Israël. » Et c'est exactement ça que le Seigneur Jésus fait dans cette entrée triomphale-là. Il accomplit ce que le prophète avait dit. « Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Au verset 6, on nous dit, « Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. » Je suis désolé pour le système de son, là, ça fait des siennes un petit peu. « Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ». Puis dans l'hébreu, cette expression-là, on la trouve dans les psaumes, ça veut dire « Sauve, sauve-nous, délivre-nous ». Mais « Hosanna », qui était devenu une louange pour Dieu, au fils de David, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Puis après cette présentation-là, dans les semaines, les mois qui allaient suivre cette présentation-là, le Messie devait être retranché. Un commentateur nous dit, « Après ceci, il devait y avoir une seconde période de 434 ans qui ne fournit pas de détails concernant un accomplissement prophétique, sauf que la période se termine lorsque le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. » Est-ce que, Christian, tu peux aller éteindre la barre de contrôle? On va éteindre le système de son. Ces années se produisirent durant le temps de l'entrée triomphale à Jérusalem. C'est l'interprétation standard de cette prophétie-là quand il a été présenté d'après la prophétie de Zacharie 9 aussi. En conséquence, la meilleure explication pour les 490 années et que les 483 ans, 69 des 70 semaines, furent accomplis juste avant le temps de la crucifixion de Christ. Parce qu'après ça,
le peuple allait s'exprimer concernant son Messie en disant « Crucifie, crucifie-le! » Puis là, ça allait être terminé. Son ministère allait cesser, il allait être livré et allait être crucifié. Puis Israël, à partir de ce moment-là, a rejeté son Messie et la majorité se sont détournés du plan de Dieu pour leur salut. Il est venu auprès des siens, la Bible dit dans Jean chapitre 1, et les siens ne l'ont point reçu, verset 11. Mais gloire à Dieu, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis c'est pour ça que Gabriel annonce le jugement de Dieu. Là, pensez à cela, il a dit, 7 semaines, 62 semaines, on a presque fini le plan rédempteur de 70 semaines. Et là, tout à coup, au lieu de dire, et la 70e semaine, tout Israël sera sauvé, là, il dit, et Dieu va punir le peuple. Dieu va châtier le peuple parce qu'il s'est détourné du Messie qu'il leur avait envoyé. Au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ou le temple juif. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais pensez à cela. Daniel est là, il a à cœur le peuple juif. Gabriel vient lui dire, Dieu a un plan pour ton peuple. Il va vous ramener en terre promise, ça va prendre 7 semaines. Puis après ça, 434 ans plus tard, 62 semaines plus tard, mais là, la ville a été reconstruite, nécessairement le temple a été reconstruit. Puis là, pendant que le Messie est là, le peuple va le faire retrancher. Puis ensuite, Dieu va venir et va détruire la ville qu'il a promis qu'il serait reconstruite et il va détruire le temple que vous désirez tellement qu'il soit rétabli. Là, il est en train de prophétiser ce qui allait se produire. Maintenant, dites-moi, pendant que Jésus était en Israël, quel temple se trouvait à Jérusalem à son époque? Est-ce que quelqu'un qui se souvient? Est-ce que c'était le temple de Salomon? Non, il avait été détruit, le temple de Salomon. C'était le temple construit par qui? Par Esdras et rénové par Hérode. Donc souvent, on l'appelait le temple d'Hérode, le deuxième temple en Israël. Donc un temple énorme qui a été construit par Esdras, nécessairement rénové pendant 47 ans par Hérode. Et dites-moi, qui a détruit ce temple? Les Romains. Les Romains sont venus en l'an 70 pour détruire ce temple-là, et la Bible nous dit exactement pourquoi. La raison, c'est que le peuple juif n'était pas disposé à recevoir son Messie. Jésus a dit, comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleurant sur elle, et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, donc ils voient leur Messie, ils côtoient le conducteur, leur sauveur, tu connaissais, si tu pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent au plan rédempteur de Dieu. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Dans Matthieu 24, il regarde le temple que les Juifs disaient, « Wow, le temple d'Esdras, qu'Hérode a tout rénové, il est extraordinaire. » Il ne restera rien debout. Tout va être abattu. Toutes les pierres vont être à terre à cause du jugement de Dieu sur le peuple. Puis là, on nous dit pourquoi? « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et c'est pour ça qu'il avait le cœur brisé. C'est pour ça qu'il pleurait sur Jérusalem, parce qu'il n'avait pas été ouvert à l'œuvre de Dieu. Donc Dieu dit, 7 semaines, le peuple va être établi, la ville, la structure, 62 semaines, et le Messie va être au milieu d'Israël, mais on va le retrancher. Et Dieu va amener un autre jugement sur le peuple. Vous savez, dans le livre de Daniel, on parle de trois
des quatre temples de l'histoire d'Israël. Je veux juste vous mentionner cela, vous donner un petit peu une chronologie pour vous aider à comprendre les choses. Le premier temple qui a été construit, ça a été le temple de Salomon. Il a remplacé le tabernacle de Moïse. Le temple de Salomon venait de l'idée de David qui avait à cœur de construire une maison pour Dieu pour honorer son berger. Puis là, David a reçu l'instruction que ça allait être son fils Salomon qui allait pouvoir construire ce temple-là. Mais à l'époque du livre de Daniel, Daniel avait été emmené en captivité, les Babyloniens étaient rentrés en terre promise. Quelque temps plus tard, en 586, le temple de Salomon et la ville ont été rasés. Donc ça, c'était pendant la vie de Daniel que toute la structure sociale a été détruite. Maintenant, on aborde la question d'un nouveau temple. L'ange lui apparaît, Gabriel, puis il dit, écoute, il y a 7 semaines, puis la ville va être reconstruite, tous les événements pour que la structure soit rétablie dans le culte de Dieu. Et nécessairement, Esdras est parti, et avec l'argent du roi, il a pu reconstruire le temple. Néhémie est parti, il a reconstruit la muraille en 52 jours, puis finalement, les maisons ont été construites en à peu près 50 ans. Puis là, la ville de Jérusalem était rétablie et il y avait ce temple-là. Mais Dieu a dit un jour, dans ce temple, le Messie va venir. Puis on voit Jésus rentrer nécessairement dans le temple de Dieu, puis enseigner dans le temple de Dieu. Mais puisqu'ils se sont détournés du Messie, Dieu dit, ce temple-là va être détruit. Le sanctuaire, la ville, un peuple, les Romains, on le sait par l'histoire, vont rentrer puis vont détruire cette structure-là du peuple juif. Ensuite, au verset 27, on nous parle du temple pendant la période qu'on appelle la tribulation de Jacob ou la tribulation du peuple juif. Puis là, on nous dit qu'il va y avoir une alliance pour une semaine, c'est la 70e semaine, et que ça va être lié au culte de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des changements qui vont être faits avec cette alliance-là et le culte de Dieu. Donc, il y a un temple pendant cette période-là qui va être construit et qui va être lié à une alliance entre Israël et tous les peuples. Et ça, on parle beaucoup de cela au Moyen-Orient. Beaucoup de cette réalité prophétique-là que les Juifs veulent reconstruire leur temple. Mais qu'est-ce qui se trouve en ce moment à l'endroit où il y avait le temple d'Esdras? Oui, le dôme du rocher, qui n'est pas tout à fait une mosquée. On l'appelle une mosquée, mais ça n'a pas tout à fait la fonction d'une mosquée. Et là, il y a ce dôme-là, puis qui va protéger jusqu'à la mort cet endroit, ce lieu de culte-là? Les musulmans. Puis là, les gens disent, oui, mais comment est-ce qu'Israël va pouvoir revenir établir le temple qu'ils veulent reconstruire là? Seulement par un traité international qui va donner ce droit-là à Israël de le faire. Et là, ça va se produire dans la dernière semaine du plan de Dieu. Et il y a un quatrième temple qui est mentionné, mais pas dans le livre de Daniel. Et ce temple-là, c'est un temple qui va être construit pendant la période du millénium. Puis on a des détails de ça dans Ézéchiel, puis dans d'autres passages, mais on n'en parle pas ici dans Daniel. Juste pour vous montrer un peu ce que les commentateurs pensent concernant cela. Dans cette période loin où le Messie est né, et il est retranché après les 434 ans ou les 69 semaines, il est retranché après la conclusion de la 483e année. Comme décrit dans le verset, comme le décrit peut-être le verset 26, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. » De plus, une prophétie supplémentaire faite après la 69e semaine et avant la 70e semaine. Vous allez voir les détails au niveau des années, c'est très important. Dans le prochain commentaire, on donne un peu l'intervalle. Il y a un intervalle de temps entre la crucifixion de Christ, le Messie qui devait être retranché, et la destruction de Jérusalem qui est prophétisée au verset 26. Le peuple d'un chef viendra, il détruira la ville et le sanctuaire. Ça s'est produit 35 ans plus tard. La destruction de Jérusalem de plus de 35 ans, ce qui accomplit Daniel 9 au verset 26. Les deux événements se produisirent dans cette même période. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Dieu a dit 7 semaines,
62 semaines, ça fait 69 semaines. Le Messie va paraître en Israël, il va être retranché, et là, il y a un peuple qui va venir et détruire la structure du peuple juif. Dieu l'avait rétabli pour que le Messie puisse paraître en Israël, parce que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Alors, il fallait qu'il paraisse par le peuple juif, qu'il soit un descendant d'Abraham et nécessairement un descendant de Jacob. Mais là, Dieu dit, attendez, il y a quelque chose qui va se produire. Ce n'est pas le salut du peuple, ça va être le jugement du peuple. Ce qui arrive, encore une fois, dans la prophétie, comme on l'avait vu dans la statue de Daniel, c'est qu'il y a une pause dans le temps prophétique de Dieu. Dieu dit, OK, cette année après que le Messie soit retranché, Israël ne sera pas sauvé. Un peuple va venir juger, un peuple, les Romains vont venir juger le peuple d'Israël. Puis ça va prendre un certain temps avant que ça se produise, donc 35 ans. Puis là, après qu'il aura été jugé, là, on pourra commencer à parler d'une autre semaine plus tard. Mais on est encore près de 2000 ans plus tard. On est encore dans cette pause prophétique-là entre ces événements-là. C'est exactement ce qu'on voyait avec les jambes de la statue. Est-ce que vous vous rappelez les jambes de la statue qui représentaient l'Empire romain? Mais les jambes s'en allaient, descendaient, puis tout à coup, il y avait une transformation. Puis là, ce n'était plus fait en fer. C'était fait, les pieds étaient faits avec de l'argile mélangée avec du fer. Puis là, il y a une transformation, mais on n'est pas encore rendu là. L'Empire romain est disparu en 476. Il s'est dissous, il s'est juste défait, il n'a jamais été conquis. Puis là, on nous dit dans la prophétie qu'il va réapparaître avec une confédération de 10 nations internationales qui vont s'unir ensemble pour rétablir cet empire romain-là, ravivé d'après la prophétie de Dieu. Bon, on est dans la pause en ce moment. On n'est pas encore rentré dans les orteils. On est comme dans les chevilles. C'est comme dans la semaine de la dernière. C'est ça, exactement la même chose. On a vu qu'après 69 semaines, le Messie paraît, mais il ne peut pas offrir le salut. Il l'offre, mais le peuple le rejette, il est crucifié, il accomplit le salut. Puis Dieu dit, OK, on arrête un petit peu. Voici ce qui va arriver, ça ne sera pas leur salut, ça va être leur jugement. Puis là, le peuple d'Israël est jugé à cause de cela. Un autre commentateur dit, dans cette semaine des 70, Christ allait venir, prêcher et mourir. Il ne semblera pas posséder aucune beauté ni estimation quelconque. On l'a vu dans Ésaïe 53, on met des paroles dans le peuple d'Israël de cette génération-là qui dit, il n'y avait rien d'étonnant chez ce gars-là. Ce Nazaréen-là, il n'y avait rien pour attirer notre regard. On l'a méprisé, on l'a considéré, jugé, frappé par Dieu. Puis le peuple s'est détourné de lui. Ensuite, Titus, le fils de Vespasien, ce chef-là qui est mentionné, Vespasien, le peuple d'un chef. C'est Vespasien qui est venu pour mater la rébellion. Le grand général est venu avec son fils, qui s'appelait Titus, qui était un général, pour commencer à crucifier les Juifs tout à travers la Palestine en l'an 68. Puis alors qu'il s'en allait vers Jérusalem, rendu en l'an 69, après avoir crucifié près de 1 million de Juifs sur la route, lorsqu'il est arrivé dans la région de Jérusalem, Vespasien a été rappelé à Rome. Puis il est devenu l'empereur romain, parce que Néron s'était suicidé, puis on l'a établi empereur. Puis là, finalement, c'est son fils qui a battu Jérusalem, puis qui est rentré dans la ville en l'an 70. Puis là, les Juifs, les maisons ont été détruites, le temple a été détruit, la muraille a été détruite, et environ 1 million de Juifs sont morts dans cette conquête-là. Donc là, on nous dit ensuite, Titus, le fils de Vespasien, mais c'est Vespasien qui est mentionné dans la prophétie, va venir et détruire le temple et le peuple sans espoir de restitution. Maintenant, j'aimerais être plus artistique. J'avoue, si j'étais plus artistique ou j'avais de meilleurs logiciels, je pourrais vous aider mieux à comprendre, mais j'ai juste fait une petite charte du temps en pensant à ces temples-là. Le premier temple a été détruit à l'époque de Daniel. Lorsque Daniel était à Babylone, le roi Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem et il a détruit la ville et le temple. Ça, c'était pendant cette période de temps-là. Ensuite, deuxièmement, on voit que Dieu prophétise qu'un nouveau temple, le second temple, allait être construit dans une période d'environ 49 ans, incluant la ville, les maisons de la ville, la structure sociale.
Donc, ce deuxième temple-là allait être rétabli. Et c'est ce qui s'est produit avec Esdras. Esdras est allé et par la grâce de Dieu, il a rétabli le culte. Néhémie a rétabli la ville dans ces 7 semaines-là. Pendant que ce temple-là était encore debout, le Messie allait venir en Israël. Là, on nous dit 434 années lunaires plus tard, le Messie allait paraître. Il arrive à Jérusalem, il est présenté devant tous, Hosanna au fils de David, le descendant royal de David s'en vient pour régner. Il paraît en Israël, mais les Juifs ne veulent rien savoir de son message spirituel. Vous savez, c'est encore la même chose aujourd'hui. Les Juifs aimeraient bien avoir un Messie libérateur qui puisse vraiment leur donner là, la puissance de résister contre leurs ennemis, mais ils ne veulent pas du message du Messie qui est le sauveur de leur âme. Bien souvent, le peuple juif sont fermés avec ça. Et la Bible nous dit qu'il va être retranché, puis ensuite, Gabriel dit, « Écoute, Daniel, il y a un peuple qui va venir et qui va tout détruire encore la structure de votre pays. » Encore les Juifs vont s'en aller en captivité, encore les Juifs vont être obligés de sortir de la Palestine après ces 69 ans-là. Puis là, on va juste faire une pause prophétique. Il va rester une semaine. Puis pendant cette semaine-là, un troisième temple va être construit. Puis pendant cette période-là, on appelle ça la période de l'Antéchrist, cette période de 7 ans-là qu'on va voir la semaine prochaine. Je veux juste l'introduire un petit peu ce matin, mais pendant cette période-là qui est encore à venir, le temple va être rétabli et alors que le peuple va revenir entièrement en Palestine, ça va être leur période de tribulation. Non seulement ce que Daniel dit dans Daniel 12, qu'à cette époque-là, ça va être la pire époque de l'histoire d'Israël, mais Jésus, dans Matthieu 24, nous dit qu'il n'y aura jamais eu sur la planète Terre une époque aussi difficile que la 70e semaine de Daniel, le dernier 7 ans du plan de Dieu. Puis j'aimerais vous dire, la planète Terre va y goûter. Et les habitants de la Terre vont y goûter. Et le peuple juif, le 2/3, vont y goûter. Et c'est seulement le dernier tiers, d'après le livre de Zacharie, qui vont voir Jésus traverser les cieux et venir les délivrer à la bataille d'Armageddon. Et alors, tout Israël va être sauvé. Et donc, ça va se produire dans cette dernière semaine-là, cette période d'épreuve pénible pour le peuple juif qui va être revenu encore une fois en Israël. Et aujourd'hui, les orthodoxes parlent de reconstruire le temple. Ça fait déjà, je crois, 12 fois qu'ils essaient de mettre la pierre angulaire pour reconstruire le temple. Puis à chaque fois, ça crée une émeute. Et même les autorités juives sont obligées de venir prendre les zélotes, puis les jeter en prison, puis les enlever de là, puis se débarrasser de la pierre. Mais à chaque fois, ils veulent faire ça. On nous dit maintenant que toutes les pièces du temple sont déjà construites. Puis ça serait comme quelque chose qu'ils pourraient construire juste en quelques semaines, tout mettre ça ensemble. Ils ont les vêtements des sacrificateurs qui ont été refaits. Ils ont tout, même certains parlent qu'ils ont retrouvé l'Arche de l'Alliance. Donc, il y a certaines rumeurs concernant ça. Ils ont retrouvé la vache rousse. Ça a été perdu pendant longtemps. Puis là, ils ont retrouvé la lignée de la vache pour l'eau de la purification. Et le peuple juif est prêt à rétablir le sacerdoce d'Aaron. C'est ce qu'il désire faire au milieu du peuple. Mais donc, cette phase-là, cette dernière phase-là dans le plan prophétique de Dieu, qui va être là pour briser les reins d'un peuple rebelle, un peuple au cou raide, un peuple qui veut toujours s'éloigner du plan de Dieu pour pouvoir manifester l'œuvre de Dieu au milieu du peuple. Puis ça commence par ce chef qui va venir faire un traité. Là, on lit cela avec celui qui est venu détruire le temple. Donc, on sait que ce sont les Romains en l'an 70. On nous dit un jour, dans l'avenir, un autre chef de l'Empire romain qui va être ravivé dans les derniers temps. On nous dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef, l'empereur Vespasien, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin... Donc, on parle de Jérusalem dans la prophétie. Sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il, ce chef-là, donc là, on nous parle encore de l'Empire romain,
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, ça c'est un mot très important dans la prophétie biblique. On va aller voir d'autres passages la semaine prochaine qui nous parlent de ça. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Qu'est-ce qu'on doit retenir ce matin? 69 des 70 semaines sont passées dans le plan du salut d'Israël. Il ne reste qu'une semaine ou 7 ans qui sont encore à venir. Et ces 7 ans-là, on la voit dans les prophéties de la parole de Dieu, comme la pire période de l'histoire de l'homme. On nous donne les détails de cela. Mais Dieu va utiliser cela pour son peuple juif qu'il aime tant, afin d'écraser leur rébellion. Et ceux qui vont survivre à toute cette période-là parmi les Juifs, lorsqu'ils vont voir Jésus, leur Messie, descendre des cieux, on nous dit qu'un esprit de grâce et de supplication va descendre sur chacun d'eux. Et alors, tout Israël sera sauvé. Daniel, le salut de ton peuple s'en vient. Mais c'est encore à venir. Donc, on regardera les derniers détails de cette prophétie-là la semaine prochaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Tout ce que Dieu nous révèle concernant son plan, puis comment est-ce qu'il est fidèle envers son peuple. Donc, on regardera ça la semaine prochaine.